Nouvelle campagne de sensibilisation pour l'établissement français du sang. Comme chaque année, au mois de janvier, l'EFS manque de sang. Un phénomène dû aux fêtes de fin d'année, aux vacances et aux nombreuses gastro qui circulent sur la région. Alors, pour remobiliser les nordistes, un appel aux dons est lancé. Un simple geste qui vous prendra quelques minutes seulement et qui pourra sauver des vies. Quels sont les critères pour pouvoir donner son sang? La réponse est au micro d'Adélaïde Bollard. Alors, pour donner son sang, il faut avoir 18 ans. On peut donner jusqu'à la veille des 71 ans. Il faut faire 50 kilos. Et puis être a priori en bonne santé. Au moindre doute, eh bien, de toute façon, la maison est grande ouverte. On peut venir voir, poser des questions, même visiter si on veut, hein, simplement pour se rassurer avant de faire le premier pas. Un don de sang, c'est moins de 10 minutes. Avant, il y a l'entretien médical, l'enregistrement administratif pour prendre les coordonnées. Puis après, le temps de se ressourcer, de manger et de boire, d'être un peu sur notre surveillance. Je dirais qu'en 40 minutes, tout est fait.